Il est parfois difficile de faire la différence entre ce qu'on croit, ce qu'on nous dit et la réalité en matière de finances personnelles. La bande dessinée Lire et Tirelire propose une approche ludique pour consulter un notaire afin d'éviter des complications. Nous avons rencontré l'auteur de cette BD, Charles Hunter Villeneuve, planificateur financier chez Desjardins. Monsieur Hunter Villeneuve, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, dessiner également cette BD? Bien, dans le fond, c'est sûr que moi, j'ai des études universitaires dans le domaine de la planification financière, mais c'est une chose de le savoir dans les études, mais de le vivre dans un bureau avec une vraie personne, c'est quelque chose. Donc, il y a eu une rencontre que j'ai eue marquante, et là, ça a été le déclencheur. Je me suis dit, oui, je le sais, ce qui se passe avec mes études, de par mon bagage universitaire, mais là, de le vivre en vrai avec une personne, je me suis dit, il faut absolument que le plus de personnes le sachent. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vécu qui vous a servi de déclencheur? Dans le fond, c'est que il y a un fils, à peu près d'une vingtaine d'années, qui est venu dans mon bureau, et son père était décédé sans testament. Et étant donné que son père était conjoint de fait avec sa conjointe, ça faisait en sorte que la conjointe n'avait aucun droit sur la succession de monsieur. Parce qu'on est en 2016 au Québec, monsieur Fillion, et le conjoint de fait n'est toujours pas reconnu dans le droit civil, Code civil du Québec. Contrairement à ce qu'on voit ailleurs au Canada. Exactement. Donc, l'enfant était l'héritier légal de la succession de monsieur. Donc, je lui ai remis sa succession de 50 000 $ au lieu de 100 000 $ Pourquoi? Parce que l'impôt en a pris la moitié. C'était des REER. Donc, 50 000 $ pour le fils, 50 000 $ pour le fisc, et rien pour madame. Rien. Et donc, vous êtes dit, je vois ça. C'est ça. Ces personnes-là ne le savaient pas, s'y attendaient probablement pas. Et vous vous êtes dit, je veux faire quelque chose pour renseigner les gens, informer les gens. Et vous avez choisi la BD. Pourquoi le type BD que vous avez choisi? C'est sûr que mon grand-père était un caricaturiste qui a passé 33 ans comme caricaturiste au soleil. Donc, vous avez ça dans le sang. Oui, je pense que ça se retrouve un petit peu à quelque part, l'humour, la caricature. Alors, il a passé au soleil durant 33 ans comme caricaturiste. Il y a mon cousin, Corentin Hunter, qui a des idées incroyables, qui va d'ailleurs faire une édition spéciale de Noël sur Lire et Tirelire. Que je vais pouvoir s'en parler un peu plus tard, qui donne des idées incroyables, un talent fou. Alors, c'est mes sources d'inspiration principales pour le côté image. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que les gens vont être plus réceptifs si c'est présenté de façon ludique? À mon avis, oui, parce que la finance est un sujet très aride, très noir et blanc. Non, pas du tout. Très cartésien, ouais. Alors, et très même, je dirais, intangible. Alors, avec la bande dessinée, je pouvais rendre ça tangible en couleur, et le rouge faisait ressortir le sentiment d'urgence d'agir. Donc, en mettant ça coloré, je crois que ça va inciter le lecteur à agir plus. Et mon livre, c'est pas comme devenir riche rapidement, au contraire, c'est de comment devenir riche lentement. Ah bon? Oui, dans le fond, c'est de commencer par sécuriser son patrimoine, et ensuite on parlera de placement et comment faire fructifier nos placements au meilleur taux possible. Mais avant, il faut sécuriser son patrimoine. Alors, c'est de prendre son temps et de prendre le temps de s'arrêter, d'aller voir son conseiller juridique pour mettre les choses au clair. Autrement dit, c'est une sorte de cours, ou en tout cas de base, en finances personnelles. Tout à fait. Pour bien comprendre ses droits, ses devoirs, ses obligations, surtout les choses fiscales et financières que vous ne devez pas oublier. Tous les aspects, je vous dirais, légaux. C'est ce qui regroupe les thèmes du livre. Là. Donc, à mon avis, à moi, il vaut sécuriser, puis ensuite, on va faire des placements. Ça viendra après, ça, les placements. Est-ce que le personnage principal, c'est vous? Bien, c'est sûr qu'il est un petit peu inspiré de moi, effectivement. Oui. J'ai d'ailleurs la même cravate que dans... Oui, exactement, la cravate rayée, effectivement, ouais, du petit personnage. Et quand on voit le rouge comme ça, c'est que votre personnage voit rouge. Oui, ça vous arrive, vous, de voir rouge devant certains clients? Bien, quand je suis dans mon bureau, puis là, je leur pose toujours la question systématiquement. Avez-vous fait votre testament notarié? Pas le graphe, pas notarié. Et quand ils ne le font pas, ben, dans ma tête, je fais pas ça, puis mon bureau ne vire pas rouge, malheureusement. Ça pourrait inciter peut-être les gens à agir, mais dans ma tête, c'est il faut absolument que d'ici la prochaine fois qu'on se voit, votre testament notarié et votre mandat de protection, anciennement appelé mandat en cas d'inaptitude, soit fait. Sinon, ça sert à rien ce qu'on bâtit ensemble. Mm-hmm. Qui lit s'enrichit, hein? C'est la devise de votre personnage. Qui lit s'enrichit. Exactement. C'est fort, ça, quand même.
c'est dans le fond, le titre de mon livre, c'est « Lire et tire-lire ». Donc, qui lit s'enrichit. Alors, lire au sens large ou s'informer? S'informer de par exemple, une émission comme la vôtre, exemple. Ou, une bonne idée. Ou, par exemple, comme des livres, des articles de journaux de la presse, dans les journaux. Toutes sortes de sources d'informations. Donc, qui lit, évidemment, s'enrichit parce qu'il devient devient meilleur dans ses gestes financiers. Et la pagination fait en sorte que plus on avance vite les pages, bien plus la tirelire se remplit. Absolument, parce qu'on voit des dollars. Hein, à la place des numéros de pages, la numérotation, on voit des dollars dans le bas des pages. C'est ça, exactement. Un petit 20 $ dans la tirelire. Et j'avais un enjeu sur l'impression, alors je tiens à saluer Bouquinbec, qui est mon imprimeur, qui a fait un travail incroyable au niveau de l'impression. Et vous avez une page Facebook également. Oui, la page Facebook « Lire et tirelire ». Parfait. Et puis, est-ce que c'est le premier d'une série de... D'une longue série, je l'espère. Il y en a... Oui. J'ai aimé ça faire ça. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Puis dans le fond, ça, c'est un aspect des finances, mais il y en a plein. Il y a la retraite, l'immobilier, les placements, les assurances, les successions. Ce n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. « Lire et tire-lire » de Charles Hunter Villeneuve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dubois. Et joyeuses fêtes. Merci, vous aussi.